Samyo, bonjour, bienvenue dans Caravane des Saints, émission qui pote pour 5 cafés fêté jeudi avec parole nous pour journée. Pour jeudi, nous avons 2 saints qui ont fêté, il y a plusieurs, mais c'est 2 nous mettons highlights sur eux pour nous dire qui est ce monde. En réalité, 2 monde ça, nous ne parlons vraiment qu'on pile bagage de eux, mais nous connaissons par rapport à la vie. C'était des exemples pour l'humanité. Eh bien, premier moment, c'est bienheureux Antoine Fatati. C'était un nègre qui était fait dans une famille noble de Teramo. Eh bien, il est allé étudier en Bologne pour être capable de devenir prêtre. Il est retourné à Kaili, il est venu à la charge jusqu'à ce qu'il soit nommé évêque d'Ancon en 1463. C'était un monde qui était vraiment prudent, c'était un bon pasteur, il était vraiment généreux envers Povio et il était vraiment sévère envers lui-même quand pour te faire travail bon Dieu. Eh bien, il était mort le 9 janvier et il était venu béatifié dans l'année 765. Donc, c'était Saint Antoine Fatati. Deuxième monde, c'est Saint André Corsini, qui c'était un évêque de Fiesole. Lui-même était fait dans une noble famille florentine. Eh bien, il était vivant de 1301 à 1373. Dans la ville, il était venu rentrer dans l'ordre des Carmes jusqu'à ce qu'il devienne provincial et puis il devienne évêque de Fiesole. Eh bien, ça lui-même était fait. Il était allé restaurer le couvent qui était dévasté par la peste. Parce que maladie, la peste, pendant que lui-même, il a vécu toute mission, il est tombé sous le pays et il était dévasté en pile couvent. Eh bien, il était bâti tête de commission pour le restaurer, pour aider les pauvres et pour accomplir l'œuvre pacification dans le monde qui a bataillé dans la commune dans l'époque. Là. Eh bien, lui-même, sale tap combat contre lui-même te fait le prend prison jusqu'à ce que lui mouri. Et bien jodia nous tap fêté avec bienheureux Antoine Fatati et Saint André Corsini évêque de Fiesole. On nous fait place kounya avec parole nous pour journée. Eh bien, parole nous pour journée, nous joignons l'île. Première lecture là, bien sûr, nous joignons l'île 1 Samuel 1er, versets 9 à 20. En ces jours-là, Anne se leva. Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme affligée. Je n'ai bu ni de boisson forte, ni de vin. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car disait-elle, « Je l'ai demandé au Seigneur. »
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. N'a pas médité en cantique dans 1 Samuel 2, verset 1er, 4, 5, AB, 6, 7, 8, ABC. Et après chaque strophe, n'a pas répété, mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu, face à mes ennemis. S'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ta victoire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il relève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'évangile nous en Jodia, nous joignons dans Marc 1er, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm aussitôt, le jour du sabbat. Il se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme ses scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion en poussant un grand cri. Et il sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Maxime, c'était parole nous pour journée 1. Et songez, nous t'avons fêté aujourd'hui avec deux saints, Saint-Antoine et Fatiti. Et puis, nous t'avons fêté encore avec Saint-André Corsini. Max Semio, à tout le monde qui a fêté un anniversaire, moi je souhaitais un joyeux anniversaire jeudi 9 janvier. Ça, que l'Esprit bon Dieu continue à faire où tu avais envie de grâce et faire où tu es né de nouveau dans la nouvelle année. Ça, que vous prospérez, que vous gagnez en santé robuste et que la vie n'a pas paraît même genre pour positivement ou praler et positivement ou privé. Et bien, frère avec Semio, c'est sous notre saillot que moi quitter nous. Moi, aidez-nous pour nous passer une bonne journée avec Jésus. Bonjour.